on va pouvoir acheter ce logiciel moyennant 290 euros. C'est environ 29 euros par mois. C'est un petit peu moins de 1 euro par jour. Avec ça, il va pouvoir cibler ses publicités. Avec ça, il va pouvoir lancer ses promotions. Mais, regardez, fini la publicité polluante. Il va pouvoir cibler ses publicités sur tous les smartphones des personnes qui ont téléchargé l'application. Et ça tombe bien, puisque ces gens ont du crédit. Ils ont l'application, donc ils ont besoin de savoir vers qui ils vont pouvoir dépenser ces crédits. Nous avons donc la solution. Et donc ce commerçant va pouvoir envoyer ses publicités, ses promotions, il va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des emailing, des tunnels de vente, des autorépondeurs, mais ce n'est pas tout. Nous avons également une suggestion à faire à ce commerçant. Quelle est-elle? Eh bien, nous allons pouvoir lui dire, nous vous suggérons de faire une petite affiche dans votre boutique et où vous allez mettre un petit QR code. Téléchargez-moi, recevez vos 5 euros de crédit que vous pouvez venir dépenser chez moi. De cette manière, le commerçant va pouvoir récupérer plus rapidement le retour à son investissement par rapport à ce logiciel. D'accord? Donc, voici l'idée. On a donc une application. Vous entendez bien? On a donc... Vous entendez bien? Allô, allô? On a donc une application qui est gratuite. Chacun la télécharge. On reçoit 5 euros de crédit. Je la recommande. Je ne reçois rien. Par contre, je reçois à partir du moment où les gens à qui j'ai recommandé vont dépenser ces 5 euros. Vers qui? Vers les commerçants qui sont à l'intérieur de ce marketplace et qui ont, eux, acheté le fameux logiciel. Donc, c'est un circuit fermé. On crée une économie. D'accord? L'argent reste à l'intérieur. Et le commerçant, dès qu'il va avoir reçu pour près de 100 euros de crédit, va automatiquement recevoir un virement bancaire sur son compte. Ok? Alors, aujourd'hui, nous sommes en lancement, on ne peut pas encore télécharger l'application, on ne peut pas encore permettre aux commerçants d'avoir ce logiciel parce que nous sommes en pré-lancement. On prépare la foule. Pourquoi? Parce que imaginez, début janvier, on vous dit ça y est, c'est bon, le business est lancé, on y va. Tout le monde peut télécharger l'application. Imaginez, okay, on télécharge tous l'application, mais on a plein de gens qui vont vouloir la télécharger. On va avoir des centaines, on va avoir des milliers de personnes qui vont télécharger l'application. Imaginez, on va rentrer chez les commerçants, on va montrer une application, un marketplace. Regardez, il y a 10 000 applications. Fois 5 euros, ça fait 50 000 euros. Est-ce que vous voulez toucher ce marché? Est-ce que vous voulez, vous, envoyer vos publicités? Ou vous souhaitez que ce soit votre concurrent? Ou vous souhaitez que ce soit votre voisin? Vous, c'est clair dans votre tête? C'est ce qui va se passer. Donc, en clair, les commerçants vont avoir une énorme envie de faire partie de ce marketplace et donc d'acheter ce logiciel. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. Vous, moi, vous aimez ce concept, vous aimez cette idée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir vous placer avant tout le monde. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'on a envie que vous soyez informés avant tout le monde, après que vous fassiez ou pas, c'est votre décision. Mais si vous le faites, et si vous décidez de faire la même chose que nous et faire partie de l'aventure, vous allez pouvoir vous inscrire en tant que développeur de cette compagnie pour simplement 9 euros. Et vous êtes dans la compagnie. Ça, c'est jusqu'à début janvier. Ça veut dire qu'à partir de là, janvier, quand les gens vont souhaiter vous acheter le métro SMA, le produit, okay, sur les 290 euros qu'ils vont acheter, 50% va rentrer dans votre poche. 50%, c'est 145 euros pour vous, parce que vous aurez fait le travail de promotion. Merci bien. Parce que vous aurez fait le travail de promotion. Donc, on va être quand même gracieusement payé. Ok? Mais ce n'est pas tout. À partir du moment où le commerçant va nous acheter le logiciel, il va être pris en charge directement par la compagnie. Et c'est la compagnie qui va être en contact direct avec lui, qui
qui va lui renvoyer de l'information, des tutoriels, des vidéos, qui va le suivre, qui va être son support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand la compagnie, dans 6 mois, va sortir un nouveau produit, elle va aller vers le client. Elle va lui proposer ce produit. Ça va plaire au client. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir acheter. En direct à la compagnie. Et parce que c'était vous qui étiez à l'origine, vous recevez la commission. Bien ou bien? Oui. Ok. Moi, ça me plaît, ça. Mais ce n'est pas tout. Dans 1 an, il va recevoir un bilan de la compagnie. La compagnie va lui lancer « Bonjour, ça fait 12 mois que vous êtes client en utilisant ce produit. Vous avez fait ci, ça, ci, ça, ci, ça. Souhaitez-vous continuer ?» Il va dire « Ben non !» Et qu'est-ce qui va se passer? Il va repayer. Et vous allez retoucher. Bien ou bien? Bien. Plus que bien. Plus que bien. Et bien, c'est ce qui va se passer. Mais ce n'est pas tout. Pour celles et ceux qui décident aujourd'hui de devenir partenaire, c'est uniquement en ce moment. Ok, c'est pas parce que c'est Noël, parce que c'est le pré-lancement. 9 euros. À partir du mois de janvier, celles et ceux qui vont souhaiter devenir vos partenaires vont pouvoir le faire, bien évidemment, mais ils vont devoir faire en sorte qu'ils respectent la législation. Et aujourd'hui, la législation dit, avant de devenir partenaire, tu dois devenir client. Ok ? Donc c'est quoi ? Ils devront vous acheter un produit SMA simplement 3 mois, 90 euros. Ils s'inscrivent avec la licence annuelle pour 9 euros et ensuite ils devront choisir un pack. Ok ? Un pack dans lequel ils auront des produits virtuels. Dans ces packs, on va avoir pour nous-mêmes un produit digital qui va nous permettre d'élancer, d'accroître, de gérer en mode pilote automatique notre activité. Et nous allons voir ces fameux métro SMA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que, adossé à ça, nous avons un plan de compensation qui est très agressif. Un plan de compensation qui est très généreux. Ok ? En clair, nous allons pouvoir percevoir de 10 à 20% de revenus sur le chiffre d'affaires global de notre équipe. Et ça, c'est par semaine. Par semaine, okay, on sera juste bloqué à 50 000 euros par semaine. Deuxième point, on va pouvoir toucher ce qu'on appelle un matching bonus. En clair, toutes les personnes de votre équipe qui vont gagner de l'argent sur le chiffre d'affaires de leur équipe, okay, on va être payé dessus. Sur 12 générations, alors pour que ça vous dise, donne une idée, imaginez, j'ai parrainé ce premier rang, qui a parrainé ce rang-là, c'est mon deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, et encore 3 rangs. Comme ça, sur 12 niveaux, 12 générations. C'est ouf. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez ce que ça fait? Ok. C'est pas tout. C'est pas tout. À partir du moment où nous allons avoir, okay, où nous allons être actifs pendant 12 mois consécutifs. Petite parenthèse, pour être actif pendant 30 jours, il suffira simplement, ou bien je vends un produit à un commerçant, ou bien j'enregistre un nouveau partenaire. Et j'ai 30 jours pour le faire. Et bien à partir du moment où nous serons 12 mois actifs, consécutifs, la compagnie va nous redistribuer 1% de ce qu'on aura gagné dans l'année. Ça veut dire que si vous gagnez 10 000 euros dans l'année, soit, eh bien vous percevrez 1% de 10 000 euros. 1% c'est 1%. 100 euros. Donc si vous gagnez 100 000 euros dans l'année, 1% c'est 1 000 euros. Okay. C'est pas tout. On va aussi avoir ce qu'on appelle un pool bonus. Bon, c'est compliqué, donc je n'explique pas. Mais on va avoir un bonus voiture. Ok ? En 2 mots, dès qu'on va gagner 3 000 euros par mois, à partir de 3 000 euros par mois, 10% de ce montant nous seront rajoutés comme prime pour pouvoir nous louer une voiture.
rouler en voiture. Okay? On a un plan de carrière qui va nous redistribuer des cadeaux. Et c'est pas tout. À chaque fois qu'on va ou bien faire une qualification, ou bien inscrire un nouveau partenaire, ou bien faire une vente, on va recevoir des crédits. Crypto-marché. Comprenez juste une chose. C'est que je n'ai plus de micro. Ok, comprenez juste une chose. C'est que cette compagnie, elle rémunère énormément d'argent. Alors, on peut se dire, ouais, mais comment c'est possible? Qui croit comment? Nous sommes en pré-lancement. D'accord? Ça veut dire quoi? Que nous sommes avant les premiers. Imaginez, ici, il y a des starting blocks. Okay. Vous êtes là. Et bien, les premiers, avant les premiers qui sont quittés. Avant les starting blocks, mais de l'autre côté. Ils vont regarder les premiers démarrer. Ok? C'est une image. Mais c'est la vérité. Cette compagnie, elle existe et elle est déjà enregistrée. Vous devez savoir que cette société a un siège social, a des bureaux, a un compte bancaire et un directeur en Irlande, à Dublin. Et vous devez également savoir que parce que en Amérique latine, il y a déjà des milliers de personnes qui sont prêtes à foncer avec ce business, ils ont déjà ouvert un siège social, il y a des bureaux, il y a des avocats, il y a un directeur. Il y a aujourd'hui là-bas une grosse activité. Et pour vous faire un petit schéma, parce que la Colombie, c'est un pays, pour ne pas dire en termes de marketing relationnel, qui est très compliqué au niveau législatif, ils ont le représentant légal, c'est l'avocat général de toutes les compagnies qui font du marketing relationnel en Colombie. Lui, il a vu le modèle du business. Il a analysé, il a regardé, il s'est proposé d'être le représentant légal. Ça, ça pèse. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de cette compagnie, on va bientôt avoir un slide où on aura le portrait des dirigeants. Parmi les dirigeants, vous avez Dennis Wilson, c'est le créateur de cette application. C'est quelqu'un qui a sa propre ferme de minage. Et lui, au cours des 5 dernières années, il a créé 300 différents plans de compensation pour des sociétés peut-être pour lesquelles vous travaillez. 300 en 5 ans. Vous pouvez donc imaginer que pour sa société, forcément, il va faire quelque chose de OK. Nous avons Michele Domizzi, qui est un Italien, et qui lui a travaillé énormément dans tout ce qui est développement de logiciels pour développer des compagnies. Par le biais de CRM. Vous savez que CRM, chez vous, c'est pas inconnu. OK. Lui, il en a conçu, mais du très haut de gamme, du très haut niveau. Et pour terminer, nous avons des gens que je connais depuis maintenant plus de 23 ans, qui sont des très très grands leaders en marketing de réseau dans le niveau mondial, puisque en 15 ans, ils ont développé sur les pays de l'Est une organisation avec plus de 3 millions de distributeurs, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et 180 millionnaires en dollars. Vous comprenez que à la tête de cette compagnie, il y a donc des professionnels dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine du MLM. Et ces gens-là ont créé un concept qui est réellement inédit, avec une histoire que tous ensemble, nous pouvons écrire pour vous, avec vous, ici en Côte d'Ivoire. D'habitude, les sociétés démarre, vous le savez très bien, elle démarre par où? États-Unis, ça arrive en Europe, ça continue en Asie et ça arrive après en Afrique. Pour vous, c'est les restes en général. Ok? Mais les restes, ils commencent par le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Eh bien, nous, on a décidé de faire l'inverse. Et on a décidé de commencer notre travail avec notamment la Côte d'Ivoire, avec Abidjan et avec. C'est votre tour. C'est à vous aujourd'hui d'être parmi les premiers. C'est à vous de prendre cette information. Nous sommes en pré-lancement. On ne va pas évoquer tous les détails. On fera des formations, on fera des présentations. On est là pour vous aider. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que aujourd'hui, c'est vous qui avez l'opportunité. L'opportunité, comme je le dis souvent, elle nuit à ceux qui n'ont pas la formation.
Et aujourd'hui, on ne vous demande pas de tout comprendre. On ne vous demande pas de tout savoir. On ne vous demande même pas d'être bon. Simplement d'accepter l'idée. Réfléchissez à un point. Et si tout ce que je vous avais expliqué jusqu'à maintenant était vrai, est-ce que vous voyez pour vous l'opportunité? Est-ce que vous voyez ce qu'on peut faire ensemble? Main dans la main. Parce que vous savez, je ne suis pas venu ici tout seul. On est venu en équipe. J'ai un de mes partenaires qui est déjà parti. J'ai une équipe qui a été au Sénégal. Mais je suis venu avec un couple d'amis. Vous avez vu une petite dame de couleur comme moi, blanche? On ne peut pas me voir. Ok? Elle est au fond là-bas, avec des yeux bleus. Mais cette petite dame, elle fait partie des vôtres, puisqu'ils sont venus avec son mari au mois d'octobre pour marier leur fils à une Ivoirienne. Donc aujourd'hui, ils font partie des vôtres. Et j'aimerais vous présenter justement Pierre. Pierre qui est également la raison avec Marius et Léna de pourquoi je suis venu ici. Marius et Léna étaient déjà pour moi une motivation de venir parmi vous, mais Pierre a été le dernier petit coup de pied de plus parce qu'il m'a dit qu'il est venu ici, il est tombé amoureux des gens, il a vu ce qu'on pouvait faire, qu'il y avait un énorme potentiel, il m'a dit « quand je reviens, tu viens avec moi ». Donc je suis avec vous. Et je vais vous laisser juste avec Pierre qui va vous partager un petit peu ce que lui il a vécu, ce qu'il vit avec vous aussi ici, pourquoi il a décidé avec vous ici à Abidjan. Merci beaucoup. Oui, alors bonsoir à tous et à tous. Il n'est jamais très simple de prendre la parole derrière. Voilà. Mais donc je viens de me présenter, je m'appelle Pierre, mon épouse s'appelle Chantal, nous sommes, vous l'avez vu, la petite France, ici à l'Arconin. Et en fait, effectivement, comme c'est le rond, nous sommes venus ici au mois d'octobre pour un événement tout à fait personnel, le mariage de mon fils. Et c'est vrai que ça a été un coup de cœur, une gifle, franchement, on a pris une gifle. On a découvert l'Afrique. On vous a découvert, on ne connaissait pas. Et puis maintenant, on fait partie d'une famille, Baoulé. Pour nous, c'est un immense honneur, je peux vous dire. Et ils sont là, quelques heures de notre famille. Et en fait, on a eu le bonheur de pouvoir rencontrer en vrai Marius, Léna. Et puis, on est en relation depuis pas mal de temps pour diverses choses. Et quand on est arrivé, puisqu'on avait du temps entre les fêtes, j'ai appelé Marius, grâce à Laurent, j'ai dit Marius, on arrive. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se voit. Ah, ça n'a pas loupé, pour demain, Marius était avec Léna, et là. Et bien en fait, on est du feu. Pourquoi? Parce que on a rencontré des gens ici qui sont très actifs, qui ont envie, qui ont faim, qui veulent bosser, qui veulent construire quelque chose. Je ne parle pas de la France en ce moment, vous avez tous entendu parler des gilets jaunes? On ne va pas en parler. Non, parce que vous avez envie de faire des choses. Et ça, pour nous, c'est une motivation extraordinaire. Juste deux secondes, pour parler de cette économie de métropole. Quand on réfléchit un instant, et moi c'est ça qui m'a fait kiffer, franchement qui m'a fait disjoncter, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir relancer, redynamiser, exploser l'économie africaine. Parce que, par le simple biais de cette application, c'est permettre à des gens de télécharger une application d'avoir 5 euros à dépenser. Ben, honnêtement, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas comment fonctionner, moi je sais très bien comment nous on fait en France, surtout avec mon épouse. On va dans une boutique, moi si j'ai 5 euros à dépenser, je vais rentrer à la boutique pour dépenser 5 euros. Et je vais sortir, j'aimerais dépenser là. C'est classique. Mesdames, vous faites des courses. Mesdames, vous aimez les vêtements, les chaussures. Bon, eh bien, toutes les dames, elles font oui, il a raison. Donc, en fait, on va participer au développement du commerce. Maintenant, notre commerçant du coin, ici, peut-être, par exemple, du plateau, ne sera jamais connu de quelqu'un qui habite à Djamé, qui habite Yopougon. Il ne peut pas le connaître. Par l'application, il va le connaître. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dynamiser sa clientèle, il va générer du chiffre d'affaires, parce que les gens vont dire, waouh, mais t'as vu, au plateau, il y a un tel, il vend des fleurs, un tel vend des chaussures, etc., etc. Et en plus, là-bas, je vais pouvoir dépenser les 5 euros. Donc, on va dynamiser ce tissu économique. Et derrière tout ça, l'opportunité qui se cache pour chacun de nous, bah, c'est de construire une véritable entreprise, un véritable business. De permettre à des gens
Soyons très clairs, de mieux remplir le frigo. Peut-être de faire réparer la voiture, peut-être de changer de logement, changer de vie. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pour nous, c'est une joie, franchement, hein, intense, de participer à ça avec vous. Alors, comme l'a dit Laurent à juste titre, il a une image qui est très très juste, on prend le monde, on le retourne. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, le monde métropolitain commence ici. Là, à Abidjan, ce soir, nous sommes le 14. 13. Ah, c'est un joli chiffre. 13 décembre 2018, retenez-le, mesdames et messieurs, retenez-le, parce que là, c'est là, ce soir, que ça commence. Et il y a quelque chose de gigantesque à faire. Parce que le monde de cette société va démarrer rapidement, à partir de janvier. Mais derrière qui? Derrière les premiers, des premiers, des premiers, comme disait Laurent. Vous, ici. Le business, il commence ici. Je vous souhaite tous mes vœux de succès. Je vous souhaite une grande affaire. Merci. Merci, chers amis. Je pense que le business est vraiment très simple et très simple à expliquer. Vous savez, le paquet, il n'y a pas d'ordinateur, pas de slide. Tout le monde peut le faire. Ce que je peux dire, je demande à tout le monde de s'impliquer. Aujourd'hui, c'est parce que nous avons considéré le travail et que nous sommes assis aujourd'hui dans cette salle. Je veux que ça soit continuel et que la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, on atteint toute l'Afrique et devant nous, tout le monde entier. C'est ça mon vœu. Et mon vœu le plus cher aussi, c'est qu'à partir du mois de janvier, ça soit la compagnie qui se déplace en Côte d'Ivoire. C'est ça mon vœu le plus cher. Et à seul, je ne peux pas le faire. À seul, je ne peux pas. C'est avec vous qu'on peut y arriver. Je veux vraiment compter sur l'apport de tous pour que vraiment ce vœu se réalise. Merci à tous. Pour les questions, on va se faire des groupes pour ceux qui veulent poser des questions. On va faire des groupes pour que vous puissiez poser vos questions. Merci à tous.